Oh, ça y est, les envahisseurs qui arrivent, les 73-51, Gilles, comment vas-tu ce matin? Oh, c'est le bordel, c'est la merde ici, hachis trois coups. Bon, tiens, voilà, ça y est, ça va être parti là pour une journée à la con, là je sens bien, là du côté de l'Italie, là qui nous fout la merde. C'est le bordel, c'est la merde. Bon, eh bien, du coup, ce matin, j'ai pas fait ce que je voulais. Il y a eu autre chose qui s'est mis en travers. Bon, ben c'est pas grave. Comme t'as dû le voir pour le partage de tes vidéos, je suis passé au plan B. Attends, j'ai pas compris ce qui s'est passé là. Attends, deux secondes. J'essaie de faire deux choses en même temps. Ça va pas me réussir. Voilà. Ok. C'est. Ouais, non, mais là, c'est. Maintenant, on va dire que. À Facebook de prendre la décision. Voilà. C'est vrai que je t'avoue que. Il y a des trucs là qui commencent à me taper sur le système. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on peut faire autrement. On parle pas de la même chose. Ok, compris. On parlait pas de la même chose. Attends, deux secondes. Voilà. Non, on parlait pas de la même chose. Là, mais pour toi, ce que t'as fait, là, c'est bon, hein. J'ai tout récupéré ce matin. Ça, c'est pas le problème, hein. Le travail a été fait ce matin. C'est nickel. Non, non, c'est pour un autre souci. Un autre souci, là, que j'ai. Et d'ailleurs, t'as vu, j'ai fait autrement pour partager ta vidéo. Bon, ben voilà quoi. C'est de ce côté-là que j'ai un souci. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Oh, il y a quelqu'un qui m'a envoyé le 73 avec une voix complètement, ça gloussait. Oui, voilà, c'est carrément ça a gloussé les 73-51 à la station. Voilà, bonjour Rémi, 73, la ville de Nancy, Philippe en mobile. Tu passes là sur la ville de Nancy, Rémi 73. Oui. Ok Nancy, il y a un souci de micro. Ouais, alors la ville de Nancy, ok, je reprends. La ville de Nancy, vous avez un problème au niveau de la modulation. Ça glousse. Je sais pas de quoi peut venir ce genre de problème pour vous aider à la limite. Mais ça glousse énormément dans la modulation. C'est comme qui dirait cracra. Retour Gilles. Merci beaucoup, Rémi.
Ah non, non, toi c'est parfait, hein. Toi, ton audio est super bonne. C'est l'OM de Nancy qui a envoyé les 73-51. Voilà, c'était pour l'OM de Nancy. Et je t'ai fait repasser ensuite le micro à toi pour que tu prennes les appels de ton côté, Hachi. Ah ben j'ai de la chance, pour le coup moi c'est silencieux de mon côté. Ouais ouais, non mais c'est un club qui est, c'est un groupe qui est très nombriliste, hein. C'est ils se prennent pour le nombril du monde, ces gens-là, quoi. Enfin, pas tout le monde, hein. Il y en a des bons dedans quand même. Il y en a des biens dedans. Oh la vache. Ah ouais, effectivement, le bordel là, du côté Alpha Tango, là, vient de recommencer de mon côté, là. Voilà, c'est Santiago 9 plus 10. Aïe, aïe. C'est et toi le problème c'est qu'effectivement il y en a qui sont super QRO, hein, dans les Alpha Tango, mais c'est le reste là, ceux-là là justement qui noircit le tableau et qui font passer tous les Alpha Tango pour des mauvais. C'est voilà le problème, quoi. C'est enfin bref. Allez, on va arrêter de pester, il y a autre chose de plus intéressant à faire, à dire comme connerie, Hachi. Oui. Ah non, je veux pas parler avec les perturbateurs d'Alpha Tango, hein. Là, ceux qui foutent la merde ici. Non, non, j'ai pas envie de leur parler à eux. Apprendre la langue anglophone.
Et pour ça, il faudrait déjà que je m'achète un cerveau. Puisque, étant QRPP, ma maman a oublié de rajouter des barrettes de mémoire qui vont bien, justement, pour pouvoir apprendre les langues. Et du coup, sans barrettes de mémoire additionnelles, ça rentre pas, quoi. Hachi. Oh ben ça, vu comment tu parles anglais, c'est sûr que tu peux m'en donner des cours, hein. À ça, il n'y a pas de problème. Et puis, de toute façon, au Québec, vous êtes pas mal anglophones, hein. Franco-francophones. Oh si, je sais plus comment on dit. Franglophones. Anglophone, c'est ça. Ça marche, tout ça retourné à lui, 14 bravo Charlie 3301 Rémi sur le sud-ouest France. Voilà, c'est. Alors je l'ai à peine entendu parce que bon, il y a un petit peu de brouhaha avec les autres, les autres oiseaux là derrière. Mais bon, comme qui dirait, c'est dans la boîte. Mais
mais toi t'arrives pas à Je n'y comprends plus rien. Puis un espèce de moulin à paroles qui m'arrive en QRP là derrière. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Je sens que ça va être un QSO merdique là aujourd'hui. Hein. Tiens, t'as le Michigan qui passe plein pot là. Je te le laisse, Jude. Yes, je suis lui, je suis en Lima, Sierra Bravo, je suis là, t'as raison, là c'est sûr qu'on les entend plus là. Oh oui monsieur. Disons que quand je suis en repos comme ça, je mets le réveil le matin à 7h. Donc toi là déjà, bon toi visiblement t'étais déjà debout. Enfin je veux dire, 7h heure québécoise, t'es déjà debout je crois. Moi ici, 7h en français, c'est l'heure à laquelle je mets le réveil.
Donc là, je me suis occupé de tes vidéos et tout. Je les ai téléchargées pendant que j'étais au Karcher, chez Trois Coups. Voilà, moi j'ai travaillé ça. Et quand je suis allé sur Facebook, aïe, 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 eh bien, je ne sais pas quelle mouche leur a piqué, mais ils m'ont bloqué, ces cons. Voilà. Donc là, du coup, j'ai dû passer, pour partager tes vidéos, j'ai dû passer au plan B. Et bon, j'ai partagé que sur deux groupes, hein, du coup, hein. Avec le plan B, je peux pas faire plus que ça, parce que bon, le plan B, je veux le garder propre, on va dire entre guillemets, pour le groupe Castillonnet que je gère. Voilà, et ce qui fait comme ça, en même temps, du côté de Facebook, ils font pas le lien entre les deux. Oui, pour t'expliquer, les deux comptes sont virtuellement sur deux ordinateurs différents. C'est un petit peu c'est ça quoi en fin de compte. Bon, c'est un peu compliqué à t'expliquer, hachis trois coups. Enfin si, sur le même ordinateur, j'en ai deux quoi. Enfin, j'en ai même quatre à vrai dire. Bon bref, passons, ça c'est une autre histoire. Et quand je passe d'un compte à un autre, je redémarre l'ordinateur pour passer sur l'autre ordinateur. Comprends qui peut là. J'essaie de t'expliquer de façon que tu arrives à comprendre un peu quoi. Hachis. Ah bah du coup, si Facebook me bloque au niveau du compte que tu connais bien, que tout le monde connaît bien, Hachi, eh ben c'est pas grave, hein, je serai sur l'autre compte, mais avec beaucoup plus de temps libre, parce que je recommencerai pas la même chose, c'est sûr. Toutes les programmations et tout, voilà, si Facebook me bloque sur mon compte CB, eh ben c'est toutes les programmations et tout là qui risquent de disparaître. Déjà là, il y en a aucune qui tombe. Toi, c'est quand ils veulent foutre la merde, ils savent faire, hein. Marc, tout comme certains sur Facebook également. Hein. Enfin bon, bref. J'attends de voir comment ça va se passer. Ah ben je peux pas là, je suis bloqué là. J'essaie de. Attends 2 secondes, j'ai envie d'éternuer. Si, à condition que je redémarre l'ordinateur sur l'autre compte. Et sur mon compte principal pour la CB, je peux y aller, mais en spectateur, c'est tout. Je peux plus rien faire là-dessus. Je sais pas quelle mouche leur a piqué, mais je peux plus rien faire là-dessus, là, depuis le compte CB. J'en suis à ce point-là, quoi. Effectivement, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Mais bon, qu'est-ce que tu veux y faire? Facebook, c'est aussi fiable que l'informatique, c'est-à-dire pas du tout. Là, je suis en train Alors, du coup, là, sur mon téléphone, là, je suis en train d'essayer de passer au plan B, là, au niveau du téléphone. J'ai plus de Facebook, là, sur le téléphone. J'ai plus de Messenger, j'ai plus de Facebook sur le téléphone.
Et j'essaie de trouver une solution sur comment effacer les traces dedans d'identifiant Sibi qui est dedans pour mettre l'autre identifiant à la place. Mais bon, là je suis en train de me battre avec ça, c'est pas évident. Eh bien, visiblement, oui, sur Facebook, ça fonctionne avec Google, avec tout ça, puisque tu peux même pas le désinstaller. Gmail, j'ai pu le désinstaller, donc je verrai ça là après, pour essayer de le mettre sur l'autre compte. Mais le compte principal pour la CB, eh bien tu peux pas désinstaller Facebook. Ou alors tu vas le mettre comme il était au départ. Mais avec les identifiants et tout restés qui sont restés enregistrés dedans. Alors je suis en train de me bagarrer avec ça, quoi, pour lui faire perdre de l'ancienne configuration pour en mettre une nouvelle. Ah oui, je me souviens des problèmes que tu avais eu sur Cluster DX. Ouais, parce que t'en mettais trop d'un coup. C'était ça, ouais. Oui, parce que avant que c'est vrai que là ils peuvent pas te deviner qu'on soit passé en Dima Sierra Bravo. Ouais, t'as raison. Tu as raison, ouais. Là, je dis que tu as raison de lui envoyer un message, puisque ils ne peuvent pas le deviner qu'on a basculé en Dima Sierra Bravo. Ah ben là, c'est sûr que là, il n'y a pas photo, hein. C'est beaucoup mieux là, comme ça. Hein. Oui, je crois même qu'on pourrait dire qu'à l'avenir, qu'on se mette directement par défaut, on va dire, en Lima Sierra Bravo. Et d'ailleurs, si tu regardes du côté des 40 canaux, ceux qui sont en BLU, ils sont Lima Sierra Bravo, hein. Le 27385, il est en Lima Sierra Bravo. Les autres stations, c'est aussi en Lima Sierra Bravo. Et ça fonctionne très très bien, hein. Oui, ah, j'ai entendu quelqu'un. Et c'est un...
J'ai pas vu que la vidéo s'était coupée. Ok. Bon alors attends, je rebascule en uniforme Sierra Bravo sur la même fréquence pour relancer à nouveau un appel au QSY en Dima Sierra Bravo. Oui, je suis Bon alors, les stations pour le QSO journalier du groupe des Tanans, QSY, ben, sur la même fréquence, mais en Lima, Sierra Bravo. En Lima, Sierra Bravo, 27-625, cette même fréquence en Lima, Sierra Bravo. Ah ben c'est bon. Ok, bon, bah, on va bien voir si, si les EM ont suivi. C'est sûr, c'est sûr. Mais c'est vrai que là, c'est un sacré bordel aujourd'hui, là, en uniforme Sierra Bravo, là, avec les autres Pimpoy. C'est, on s'installe, on fait caca là, et puis tant pis si ça dérange tout le monde. Aïe, 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 aïe. Tu t'es remonté une... en VHF ou UHF, c'est bien ça, non? Ah oui, 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 je la connais, en V, oui, c'est ça, oui. Oui, oui, en combien d'éléments? Tu veux la monter sur en haut de ton pylône là, 20 mètres, c'est ça? Ok, d'accord, ouais, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Bah, moi, ça m'a jamais intéressé, une directive. C'est, perso, je trouve ça chiant, il faut tourner dans tous les sens et tout, ça, waouh. C'est, ça me prendrait vite le chou. Ouais. Là, je suis en omnidirectionnel, j'entends partout. Bon, évidemment, dans des cas comme tout à l'heure, c'est un peu chiant. Ou alors, il faudrait que les deux soient couplés ensemble. Directive et verticale couplées ensemble. Là, là, oui, pourquoi pas, parce que bon, il y aurait quand même une influence dans une direction, tout en entendant partout, quoi.
Mais bon, après, est-ce que c'est possible de coupler une verticale avec une directive? Alors là, j'en ai aucune idée. Ah oui, 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 c'est sûr. Mais bon, le problème, c'est que il suffit que du côté des perturbateurs, il y a un OMQRO qui veut te contacter, un copain ou un ami qui veut te contacter, eh bien, tu ne l'auras jamais. Ça, c'est un peu le problème, ça. Ah, ça a breaké. À toi, Gilles. Merci pour le retour du micro. Ouais, je t'écoute. Hein. Bon, j'ai un petit peu de mal, mais bon, je t'écoute. Parce que c'est vrai qu'en même temps, je suis. Disons que dans ma tête, je suis ailleurs en même temps. C'est pas bien, c'est pas cool. Et ok. Donc, si j'ai bien compris, coupler une directive avec une verticale, c'est pas possible. Il faut coupler deux verticales. Mais encore, pour coupler deux verticales, il faut qu'elles soient toutes les deux identiques. Sinon ça le fait pas trop. Non mais disons que c'était parce que là Gilles justement il parlait de directive, c'est pour ça qu'on en est venu à parler de ça quoi. Ouais, tu es bien, par exemple, 9+5 du DB là. J'ai tourné sud-ouest 185, attends. 180. Ah oui, ça monte là. Et t'écoutes bien, 59 du DB là. Ouais, après tu vois ce que tu dis, c'est tu peux couper deux verticales, mais il faut qu'ils soient identiques, c'est pas mettons. DB27 et puis une intro, par exemple. Un élan comme ça. Quand tu fais une IADI, bah, un sérieux, là. Un sérieux, par exemple, un élément, tu reproduis un peu ton horizontal. Après, tu mets des éléments à l'article, tu fais les mêmes cotes que le gamma match. Attends, Gilles. De PL. Donc, bah, tu diriges l'antenne dans une direction et tout ça fait que. Merci pour le retour de micro. Du coup, il y a Gilles qui t'entend plus du tout. Et ça, c'est embêtant. Ok, merci pour le retour de micro. Je vais faire un retour de micro sur Gilles. Tourne plutôt de son côté, parce que là, pour le coup, il t'entend plus.
c'est pour pas d'espérance, tu vois. Voilà, tu vois, il y a des jours, il y a des rétro, et puis bah aujourd'hui, ça passe le sud et le nord passe en direct. Hein. Alors bien mon antenne dans le sud de France. Voilà. Et ouais, donc j'ai tout en train de dire, bah il m'a fait les points parce que je viens d'aider la vie au et voilà, je suis venu en rétro, 300 degrés dans le Canada, puis je vais pouvoir écouter en rétro. Voilà, à retour les villes. On dirait qu'il t'entend plus. Ok, pas de problème, bonne balade à toi. Et zut, tu entends faire les conneries. Ah. Attention Gilles, est-ce que t'es toujours là? Gilles, t'es repassé en USB? Attention Gilles, est-ce que tu es de retour? Allez, tombé de la chaise. Bon, attention Gilles, est-ce que tu es repassé en uniforme Sierra Bravo? Bon ben c'est sûr, elle est tombée de sa chaise. Hachi. Bon ben vu l'heure, 73-51 à ceux qui seraient derrière. De la part de 14, bravo Charlie, 33-01 Rémi. Moi pour ma part, je vais passer à autre chose. Bon QSO. Écoute.
te dit quelque chose comme ça. Ici au Québec, il y a du monde en balcon, ça signifie une autre chose. Oh, j'ai compris, gars. Non. Non, lorsqu'on dit à une petite dame, une charmante et très charmante demoiselle qui a du monde au balcon, c'est pas la même chose. Voilà, donc, je pense que c'est un peu plus.
Oui, tu es seul. C'est toujours agréable de faire des QSO dans notre langue maternelle. Qu'est-ce que voulais-je dire? Âge avancé. Peut-être que mon âge est plus avancé que le vôtre, mon ami. Parce que je vais vieillir dans deux semaines. En forme l'ancien. Eh bah, comme j'ai fait une très bonne vie, comme on dit ici au Québec, j'ai fait une très bonne vie, alors on me donnerait pas 75 ans, on m'en donnerait à peine 65 ans. Avec beaucoup d'expérience. Ben, j'ai commencé, moi, il y a exactement, ça va faire 61 ans, dans quelques mois, que je suis sur la réserve de la radio. Thank you.
Bergeron, négatif. Blanc, ça me dit quelque chose, Jean-Guy Bergeron, c'est peut-être lui, mais ça fait tellement, tellement longtemps que... Je ne peux pas me rappeler, ça fait trop longtemps. Mais je vais avoir 75 en deux semaines. Et puis moi, je suis un jeune homme avec un vieux visage. Ben, je vais dire, j'ai énormément voyagé dans ma vie parce que je suis pilote d'avion et d'hélicoptère. Je volais les deux. Là, maintenant, je suis trop âgé, je suis à la retraite. Mais pendant 45 ans, j'ai sillonné le ciel, soit en avion ou soit en hélico. Salut le Canada. Bonjour le Canada. J'en ai eu plusieurs, moi. J'étais courtier en aviation aussi. Alors j'achetais et je vendais. J'ai probablement, moi, j'ai eu multimoteur. Mon brevet de pilote est professionnel, catégorie professionnelle. Et les annotations que j'ai, c'est flotteur, multimoteur, flotteur avec roue, ski avec roue. De retour.
Je suis de retour. Les amis, t'es retourné, 14 bravo Charlie, 33 0 1 Rémi, voilà sur la Gironde. Oups. Désolé, je t'ai marché dessus. Si, ou peut-être l'inverse. Les 73-51 lui, 14 bravo Charlie, 33 0 1 Rémi. J'étais me balader un peu parce que je t'entendais plus Gilles. Je t'ai appelé plusieurs fois, plus personne, mais c'est bon, il est tombé de sa chaise, il est rendu à la cave. Mais bon, j'ai bien compris que t'as dû aller prendre un café ou faire autre chose. Puis là, je suis remonté, je te rentre à nouveau, yes! Au fait, il est quelle heure? Ah, allez, je reste encore quelques petites minutes et je passerai en QRT. Ouais, j'ai pas eu le temps de bien comprendre. C'était pas mal écrasé, les 73, la station. Oui, 59 plus, Rémi. 59 plus, tu arrives sur l'île, là. Sur l'île, la ville de l'île, là. 373, Joël. Ok, la ville de Lille, les 73-51 retournés, 14 bravo Charlie Rémy, oh zut, bon bref, allez, sur Sainte-Colombe, à côté de Castillon-la-Bataille, Saint-Émilion. Oui, okay, bah, oh, je bug. Rien, Rémi, surtout quand tu passes du côté de Sicile, j'ai mes oreilles qui sont là-bas, Rémi, là. Toutes les amis qui, je salue aussi tout l'ensemble du groupe des talents, là. J'allais te faire un petit tour en USB, puis j'entendais craquer, je me demandais quoi, je suis venu vérifier. Vas-y Rémi, tu fais tourner. Ah, quand le parquet craque, faut toujours aller vérifier ce que c'est. Ok, retour sur Gilles. Tout à fait, ouais, mais c'est, à part chez nous, c'est pareil, hein, toutes les fréquences qui sont bloquées, on a même du mal de sortir un QSO correctement, hein, voilà, un micro-retour. Ouais, je pense que ça a changé un peu, là, ça a tourné sur l'entendu, là. Ah, ça passe toujours, moi, de mon côté. Bon, j'entends gazouiller sur les fréquences d'à côté ou des stations qui sont en uniforme sur un bravo, mais ça passe toujours bien, hein. Bon, je vais devoir passer en QRT. Allez, ce coup-ci, c'est la bonne. Les 73-51 tous. 14, bravo Charlie. 33, 01, Rémi. Dandy, 33. Gilles, j'attends tes vidéos, il n'y a pas de problème. Et à demain, si vous le voulez bien. Gilles, est-ce qu'on prend comme pour habitude maintenant, est-ce qu'on officialise le fait qu'on soit Lima Sierra Bravo? Je pense que ce serait pas mal, hein. On serait, ça stopperait ces petites guéguerres inutiles, hein, ces petites guéguerres polluantes.
Je pense que maintenant, oui, on peut. Tu peux dire à tout le monde que maintenant le QSO s'est rendu ma Sierra Bravo sur le 625. Hein. Oui, on peut faire ça comme ça. Allez, je vous laisse tous. Les bonnes soirées 1351. Bonne continuité de QSO. Bon courage, Rémi. Ouh, plus ça allait, plus ça a descendu. Hein. Ok, tout ça a retourné. Et à plus tard. Attention pour 16, devant Charlie 38, devant